Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2, chers amis. Donc on peut continuer. Voilà, les... Allez. Voilà, dis donc, il y a des gros problèmes quand même dans ce jeu. Hein. La quête secondaire du 911, donc sur le la police qui finalement utilise le CityOS comme un... CityOS et Bloom, comme un bouclier pour pratiquer les infractions... Et donc, s'en protéger en disant que ce sont des dealers. Donc voilà. On va essayer de se protéger de ça. Est-ce que ma voiture est restée sur place? Parce que je vois bien que le temps a avancé. Donc j'imagine que quelqu'un m'a piqué ma bagnole au passage. Effectivement, quelqu'un m'a piqué ma caisse. Ça tombe bien, il y a une moto ici. On va la prendre. C'est pas dans ce sens-là, Marcus. Ok. C'est parti. C'est pas par là. Fallait le faire au moins une fois. Fren, putain. Il est bon, lui. Boum, désolé. Mais non, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Oui, tout va super bien. J'arrive plus à tourner en moto. Ça aussi, c'était bien dans GTA. Vous savez, le fait que chacun des personnages avait ses propres compétences, sa propre capacité à conduire différemment, par exemple, c'était vraiment cool. Prendre en charge des couverts. Oui, bah écoute, le prendre en charge, il attendra. On y va. Ah bah, tout ça pour ressortir ici, t'es sérieux, là? Et pour remonter en face. Ok, bah pourquoi pas. Wow. Oh! Hop là, c'est parti. On est bon. On est même très bon. On est même excellent, chers amis. De toute façon, c'est que de la ligne droite maintenant, hein, ou presque. Hein, enfin, la ligne droite dans le sens où ce sera uniquement de l'autoroute. Hein, ou presque. Jusqu'à ce qu'on en sorte, en fait, simplement. Hein. Mais dit comme ça, c'est pas bon. Voilà, on tourne. Ok. Non, j'ai l'impression qu'elles sont lentes, les bécanes. Hein. Enfin, elle va sûrement très très vite en vrai, mais. Putain, j'aimerais bien qu'elle aille un peu plus vite, quoi. Parce que je veux dire, j'ai l'impression de rouler à 130 au lieu de 110, quoi. C'est triste. Wouah! Pas! Boum! D'accord, il y a eu un accident en fait. J'ai voulu virer celle-là de la route de l'autre, mais je me suis trompé de cible. Hop. On est dedans. Ok. Yo, je suis à la raffinerie. Fais gaffe, c'est le territoire des Bradva. Il est toujours sous surveillance. La Bradva. La Bradva, c'est la comment, la... Rappelle-moi quand t'es connecté. La mafia russe. Non, non, non. Ici, merci. On y va. C'est parti, mon zizi. J'ai réfléchi juste un truc, chers amis. Hop, c'est bon, l'enregistrement est bien en cours. Parfait, excusez-moi, hein, je sais que je vous embête avec ça. Mais on n'est jamais trop prudent. Il m'est arrivé suffisamment de couilles comme ça, donc je préfère être dedans. Ok, bonjour. Ah, oh, on va devoir refaire la même chose que tout à l'heure. Oh. Tout a l'air bon. Je t'envoie la mosaïque une fois que j'aurai fini de traiter les données. Ok. Moyen rêve. Moyen rêve. C'est vraiment pas le meilleur endroit pour garer un truc pareil. Mon petit doigt me dit qu'il y a un genre d'explosif pas loin. À niveau explosif, il y a ce qu'il faut, effectivement. Je te parie que ce qu'il y a dedans n'est pas imperméable. Ce que je capte pas, c'est comment ils font pour faire tout ça sous les yeux du CityOS. Ok, le système est pas parfait, mais ils courent tellement le risque de se faire griller. Ils ont dû trouver un moyen d'effacer les enregistrements vidéo des serveurs. Ouais, bah vu tout ce qu'on a trouvé, il est pas hyper efficace, leur moyen. Peut-être qu'on est arrivé juste avant l'effacement. C'est comme le ramassage des poubelles. Ça se fait à intervalles réguliers. Ou peut-être juste qu'ils font pas gaffe. Penser qu'on est au-dessus des lois, ça a tendance à rendre arrogant. Il serait pas en train de nous vanner, le hacker résident? Juste un constat, ma chère. Tu peux pas hacker la nature humaine. Pas longtemps, en tout cas. Merde. Chier mon cou, là. J'ai bien baissé le...
Ah bah j'ai plus le droit de le baisser. Putain, c'est casse-couille. Descends. Merde à la fin. Voilà. Hop. Et ça va, arrête de te plaindre, Marcus. Mais putain, mais... Ça y est? Tu l'as pris? Parfait. Mais merde. Il le fait exprès, c'est pas possible. Et il veut pas redescendre. Ouh, ça me saoule. Ok. Voilà. Si je peux, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire ça. Qu'ensuite la moto vienne faire péter le véhicule. Ok. Pour le mec là-haut, je pense que je vais le sniper moi-même. Et je peux pas descendre non plus. C'est débile. C'est absolument débile. Parce que là je peux en fait. Ok. Par là, est-ce que j'ai des explosifs ou n'importe quoi? Non, rien du tout. Ok, pas grave. Et ce mec là, on va se le faire comme ça. On va passer au dessus. On va attendre qu'il passe ce monsieur. Ou alors attendez, j'ai peut-être RB il m'a dit. RB. Voilà. Ok. On y va! C'est parti! Attention, va y avoir un gros bruit là! L'important c'est que ça fasse du bruit sur les réseaux sociaux. Vas-y, champion! Comptez sur moi, la première bagnole saute! Ok, celle-là je la pète. Boum. Du coup, il n'y a aucun camion qui est arrivé jusque-là. Est-ce que je peux... Oui, je peux. Ah la vache, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher de faire ça, c'est violent. Allez, tourne, bon Dieu, voilà. Là, t'es dans la bonne... Merci pour ton argent, je voudrais de la recharge. Merci. Dommage. Allez, accélère encore! Il veut pas. Fais chier! Fais chier! Il me suis fait niquer! Comme l'indice de niquer, vous savez.
Comment je vais péter la bagnole? Allez! Faut me faire croire que c'est pas les points sensibles de la bagnole, ça! Ça y est! Oh, il est vraiment nul celui-là. Et moi je suis complètement à sec. Tu veux bien passer par-dessus? Non. Dommage. T'es sérieux là? Ah putain, c'est un gros! Allez. Allez, d'explose, mon Dieu. Ah, j'aurais dû prendre le truc. Tiens, des balles dans le cul, ça fait du bien. Voilà, ils sont tous morts. Bon. Est-ce que tu vas bien me faire le plaisir de prendre feu, s'il te plaît? Putain. Mais merde! Ça y est, il fume! Wouh! C'est la fête! Quand j'aurai plus de munitions. T'es sérieux, mec? On y va. C'est pas grave, on va y aller. On va lui jeter une grenade sur la gueule et puis c'est bon, on va pas se faire chier. Parce que là... Allez, nage, Marcus, nage, 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 nage. Fais pas mine. Fais pas mine de nager. Voilà. Et boum. Voilà. Problème résolu. Quitter la zone. Non, pas encore. D'abord, j'aimerais choper l'argent qui vient d'apparaître sur la carte. Que je n'avais pas vu, ou alors sinon. Alors, je dois pouvoir grimper par là. Non. Oh, mais merde! V'là autre chose! Crac, voilà, allez, là ça monte, c'est bon. Ça me semble bon. C'est pas trop mal. Où est censé être l'argent? Putain. Et merde. Faudrait pas un peu de ma gueule le jeu là. Je vais aller voir où est censé être l'argent, mais s'il est là-haut, je peux pas le récupérer avec ça. T'es rigolo toi? Et comment Ok. Pauvre con. Pauvre con. Là autre chose. Ok. Non, j'aimerais que tu grimpes là-dessus. Ok. Je fais quoi? Ah putain.
sûr. Hashtag physique. Non. Bon, on les oublie ceux-là. C'est pas grave. C'est un malade. Il y a toujours ma moto. Il y a toujours ma moto. Non, c'est pas la mienne celle-là. Moi j'avais pas une moto de cross avant. Quelqu'un a échangé ma moto. Non. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok, objectif atteint. Bah c'était pas drôle, hein. Putain, vous auriez dû voir la dose de fumée que ça faisait. Marcus, écoute. J'ai hacké les transmissions radio de la police. Ils sont en train de péter un plomb. C'est bien. Mission accomplie alors. Putain, c'était quoi ça? J'en sais rien. C'est parti en sucette. La cargaison est foutue. Cargaison? On couvrirait ce coup-ci, mais si ça se reproduit, adieu nos carrières. Est-ce que c'est bien compris? Apparemment, il y a des gens au placé qui... qui peuvent annuler l'effet de tout ça. C'est pas une bonne nouvelle. Apparemment, t'as foutu un beau bordel. Bah, c'était le plan, non? Tu devrais te grouiller d'aller au doc. Faut qu'on profite. Qu'est-ce pas? L'effet de surprise. Hop. C'est ce que je voulais faire, hein. On sent que j'ai joué à Trial Fusion. Ah, zone interdite. Tiens non. Quand même pas doué, hein. Oh bah oui, remets-toi devant. Je sens que t'as tout compris, toi encore, hein. Bon. Boum. C'est d'une tristesse. Ah, il était pas mort, lui. Ah, j'ai plus assez de botnet. Quelle horreur. Merci. Raté. Bon, on y va. Il est temps de bourrer un petit peu, hein. Je sais pas ce que vous vous en pensez. C'est ce que je pense. Par contre, j'ai plus beaucoup de balles. T'es sérieux, là? Je me fais hacker? T'es sérieux là? Pas maintenant! Pas maintenant! Putain, le sac! Le sac, le sac, le sac! Il est là. Où est-ce qu'il est l'autre trou du cul du coup? Mais il est où? Putain, mais il est où? Il va être dans le bâtiment. Non, même pas. Mais putain, mais... Non. Putain.
Mec, t'es sérieux là? Je fais une mission peinard. Mais je sens que quand je vais voir où il est, ça va me faire mal. Putain, j'ai cru le voir. J'ai vu son machin, mais je vois pas le bonhomme. Alors, du coup, j'aimerais bien comprendre où est-ce qu'il est. Et il était où? Sous le pont. Bah oui, bah t'es bien une pute, toi. Hein. Espèce d'engeance de catin, tiens. Ouais, c'est moyen. Franchement, c'est vraiment moyen. Hein. Là, pour le coup, je désapprouve. Je désapprouve complètement. Bon bah d'ailleurs vous savez quoi, pour le machin je vais envoyer le quadricoptère, le machin, le petit RC. Hop voilà. Et je suis sûr que je vais réussir à bidouiller quelque chose. Bon bah j'arrive pas, ça m'énerve. Ouais ouais bah écoute, j'aurais bien aimé attendre ces bruits là tout à l'heure moi. Parce que là je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Continue, continue, tu me fais rire. C'est véritablement dégueulasse. Honnêtement, là, je trouve ça complètement pute. Complètement. Ok, c'est là que je suis censé aller. Et pour y aller, je vais me téléporter là. Mais franchement, ça, je trouve ça méchant. Hein. C'est bête et méchant, je trouve. On va se faire la cinématique et on va se laisser là, je pense. Mais je trouve ça véritablement dégueulasse. Parce qu'en fait, pour y aller, il fallait que je sorte. Vous avez bien vu, en plus, je voyais rien. Sous le pont, c'était pas chargé quand j'étais en mode machin. C'est dégueulasse. Oh. En l'espace d'un instant, j'ai cru voir un truc intéressant, mais non. Ça ne l'était pas. Alors par contre, j'ai pas de sang dans les mains. Voilà autre chose. Ok, c'est bizarre. D'accord. Toujours à la recherche de la fameuse chose, chers amis, mais apparemment ça a dû être fixé correctement. Entre temps. Ok. Josh, je suis au doc. Y'a quelque chose que je dois savoir avant d'entrer? Fais gaffe au Tescas. Et merde. D'accord. Ok. Ok. Faut que je trouve le serveur. Peut-être que ce sera pas si difficile que ça. Bon bah du coup finalement vu que c'est la suite de la mission, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, en tout cas c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yo, par contre je suis vraiment dégoûté pour le mec, désolé. Salut.